Waouh, ça faisait longtemps que j'attendais ça! Wouh! C'est chaud! Est-ce que vous êtes chaud, mes frères et sœurs? C'est extraordinaire! Si vous êtes même plus chaud que chaud, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo. Une famille dans son entier va se retrouver nue devant les gens, devant les caméras des gens. Sérieux? Comment ça se fait? C'est de la sorcellerie. Les gens vont voyager, aller faire des missions dans le monde du sorcier et finalement, ces gens-là vont tomber. Bon, on va les attraper. Nus comme ça. La maman ou la soeur de la maman ou bien la cousine ou bien le petit-fils, tout le monde. Ah, difficile à dire. Si ça n'avait pas été filmé, vous ne l'aurez pas cru. Alors, studio, nous allons voir des choses bizarres. Maintenant, nous allons vous dire, si vous avez peur des trucs comme les démons, les sorciers, tout ça, s'il vous plaît, regardez la vidéo suivante. Cette vidéo risque de vous étonner. C'est parti. Vous devez partager cette vidéo. Absolument. Il y a des gens qui n'y croient pas les histoires de Jésus-Christ ou les gens ne croient pas les histoires de Dieu. Mais ce que nous allons voir ici, franchement, ça va même vous étonner. Vous allez croire forcément après avoir vu des trucs pareils. Regardez déjà l'écran, regardez-moi ça. Mais que se passe-t-il ici? Ce qui se passe ici, c'est que des gens ont attrapé, comme nous avons dit à l'introduction, ils ont attrapé une famille complète, nue comme ça, juste nue. Regardez, une, deux, trois et quatre personnes, toutes ces personnes-là sont carrément nues comme ça. Ah! Mais d'où venez-vous? D'où venez-vous? Après des interrogatoires, ces gens-là vont finir par nous dire ce qu'ils sont même allés faire. Mais avant de vous montrer ce que ces gens-là sont allés faire, nous allons vous montrer ça. Pour ceux qui ne pensent pas que ce soit vrai, regardez ici. On voit aussi une personne qui est juste là, sur le toit des gens. Ah! Mais qu'est-ce que tu fais sur mon toit? Est-ce que moi je te demande de venir t'asseoir sur mon toit? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Bon, regardez bien. Cette personne est là-bas. Et les gens sont en train de crier. Parce que pour eux, il y a un voleur, pas comme les autres qui se trouvent sur le toit. Si ça n'avait pas été filmé, vous ne l'aurez pas cru. Regardez. Et cette personne essaie de descendre de le toit. Et les gens sont en train de même prier pour mettre le feu sur le voleur. Ah, comment est-ce qu'on peut prier pour mettre le feu sur un voleur quand même? Regardez bien. Ça, c'est un voleur comme les autres. Qui est-ce au juste? Personne ne sait. Une personne qui a atterri sur le toit dans la nuit. Personne ne sait ce qui se passe. Mais on peut juste voir ce que vous voyez avec nous. Une personne qui est là. Qui est-ce juste selon vous? Qui est-ce? Qui est-ce? Regardez bien. Si ça n'avait pas été filmé, vous ne l'aurez pas cru. La sorcière de visage. Regardez. Waouh. Cette personne est de descendre. Elle descend. Et vous finissez par découvrir que c'est une vieille, une femme âgée. Regardez comment elle va descendre, même comme si c'était un jeune homme. Une jeune fille, au plus de cas. Regardez. C'est un truc de ouf, hein. Et elle est descendue. Regardez. Regardez bien. Waouh! Incroyable, mon frère. Et ils ont vu, voici une femme âgée qui est juste là attrapée comme ça. Et les gens sont en train de filmer. Hein. Les gens, les caméras, ils sont en train de filmer. Ça, c'est un truc hors du commun. Vous la voyez? Elle est même sous devant vous. Elle est sous vos yeux. Et elle est ici. Qu'est-ce qu'une femme âgée comme ça cherche sur le toit des gens? C'est la sorcellerie. Vous ne croyez pas? On lui dit qu'elle a voyagé. Peut-être qu'ils vont lui poser des questions. Et elle tentera d'y répondre.
Mais avant qu'elle nous donne sa réponse, nous allons juste jeter un coup d'œil sur ce qui s'est passé dans la première photo que nous avons montrée précédemment. Vous avez vu ça? D'accord. Voici l'histoire. On nous dit que selon, vous pouvez lire en même temps que nous, selon le rapport et les aveux du chef de groupe, le père, ils ont été envoyés pour tuer et sucer le sang de 20 personnes en RDC Congo à bord d'une bouteille transformée en avion. Regardez bien. À bord d'une bouteille transformée en avion en sorcellerie. Au-dessus d'un petit village, leur avion a manqué de carburant et ils sont tombés. Souriez. Comment ça? Bon, allons-y plus loin. Ça m'étonne. Et on dit, selon des témoins, plusieurs personnes ont vu un objet bizarre tomber du ciel avec des gens criant « Non, non !» Ils se sont donc rués vers l'objet qui est tombé à l'arrière d'une cour et ont découvert une famille de 4 personnes entièrement nues qui ne sont pas du village. Interrogé, le père de famille, chef de groupe, a avoué qu'ils ont été envoyés par les puissances supérieures tuer et faire des sacrifices de 20 personnes dans une autre région. Mais au-dessus du village, ils ont perdu leur pouvoir et du carburant et sont tombés. Ils ont été conduits chez le chef du village. Maintenant, qu'est-ce que le chef du village va faire? Chef du village. Chef du village. Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu nous expliquer ces phénomènes bizarroïques? Et vous pouvez même penser que c'est de la blague, c'est de l'histoire. Si ce n'avait pas été fumé, vous ne l'aurez vraiment pas cru. Donc vous voyagez la nuit, nous on dort tranquille, vous voyagez quoi? Donc c'est ce que vous faites. Bon, regardez ça. Waouh! Incroyable, mais vrai. Regardez. Si ce n'avait pas été fumé, vous ne l'aurez pas cru. Comment va-t-elle expliquer à tous ces gens qui sont là ce qu'elle allait faire sur le toit? Qui t'a positionné sur le toit alors que toi tu es si âgé? Qui pourrait penser qu'une femme, une personne âgée comme ça, pourrait se retrouver sur le toit? Personne! Pouvez-vous m'expliquer ce qui s'est réellement passé? Vous pouvez penser que c'est de la blague, mais ça, c'est très connu en Afrique. Regardez encore ici. Une personne se trouve sur un poteau électrique. Qui est-ce au juste? Ça, c'est pas un atterrissage en douceur si ces gens ont pris un avion. Ce qui est sûr, c'est que ce que vous êtes en train de voir et que nous sommes tous en train de voir, vraiment, c'est incroyable. Mais c'est une histoire de sorcellerie. Ça, c'est sorti astral. Regardez cette personne qui essaie de descendre. Regardez. Vous voyez la personne. Voyez-vous. Cette personne ne voit que si ce n'était pas sinon. Hein. Cette personne essaie de descendre. Waouh, regardez, ça vraiment c'est un truc de ouf. Vous pouvez faire les choses dans le secret ou encore dans le noir. Mais un jour, Dieu va vous dévoiler au grand jour comme ça. Et vous serez même surpris, vous serez même étonné. Vous allez vous demander, mais ah, où est passé le diable? Où est passé le diable? Regardez. C'est vraiment incroyable. Mais c'est réel. Maintenant, dites-moi, mes frères et sœurs, qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? C'est incroyable quand même. Hein? C'est vraiment incroyable. Des gens retrouvés sur le toit d'autrui. C'est ta maison. Est-ce que c'est même ta maison?
L'accent camerounais, ça me plaît tellement. Bon, est-ce que c'est même ta maison? Est-ce que c'est nous on t'a envoyé de voler et te retrouver sur notre toit? Aujourd'hui, on va te délivrer au nom de Jésus. Tu vas même voir. Qu'en pensez-vous, frère? Vraiment, c'est vraiment bizarre. Mais il faut que nous vous montrions toutes ces choses. C'est pour vous dire, mes frères et sœurs aussi, il faut s'accrocher à Dieu. Il faut s'accrocher à Jésus-Christ. Avant de s'endormir, il faut prier. Au réveil, il faut prier. Il faut dire juste Dieu. Il faut juste dire, Seigneur Jésus-Christ, protège-moi. Protège ma famille, protège ma maison. Que ton sang nous purifie seulement. Et que notre maison soit couverte par ton sang. Dieu va faire son travail. Il n'a même pas besoin de trop parler. Il sait ce qu'il doit faire. Mais toi, il faut être juste. Et il faut vraiment être fidèle à Dieu. Dans toutes tes voies. Pour que Dieu puisse bien te défendre. Parce que dans le monde dans lequel nous sommes là, il y a toutes sortes de vilaines choses. Vous voulez savoir, dans ce monde où nous sommes, il y a la magie rouge, il y a la magie verte, il y a la magie blanche, il y a la magie noire, il y a toutes sortes de vilaines choses. Vous savez déjà la sorcellerie, on vous a montré. Et ça, ce n'est qu'une petite partie de ce qui se passe réellement dans notre monde. Attachez-vous à Dieu maintenant. Partagez cette vidéo pour que d'autres personnes puissent comprendre et découvrir toutes ces choses. C'est un mystère. C'est pas tes propres chemins. Let's go.